J'étais obligée de dire à mes parents que je t'avais donné le code d'accès de leur site internet. Mais pour qu'ils vont me prendre, tes parents? Si j'avais su, je ne l'aurais pas donné à mon père, ce code. C'est un fan d'informatique. Ça dérange? Non, non. Voilà. Vous en faites une tête, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Enfin, si. Mon père est entré dans le site internet du père de Laura et il a trafiqué toute la page pub de son restaurant. Tu es sûr que c'est lui? Ça pourrait être n'importe qui. Non, il faut avoir le code et je le lui ai donné. Mais pourquoi il aurait fait ça? Je ne sais pas, moi. Tu sais, notre restaurant marche un peu moins bien en ce moment et il est peut-être jaloux. C'est vrai que vous allez partir, Laura? Oh non, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Oh, j'en ai marre de ces rumeurs. Dis donc, ton père, il a bien un site? Oui. Alors, on n'a qu'à lui faire la même chose. Mais non, on ne peut pas lui faire ça, c'est mon père. Non, il a raison, Fred. Il faut essayer d'arranger les choses, mais pas en faisant n'importe quoi. J'ai une idée. Si on lui envoyait un message, comme si ça venait du père de Laura. Ah, ça peut marcher. J'aurais dû y penser tout seul. On s'y met? Allez. Vous auriez dû vous douter que vous ne resteriez pas anonyme très longtemps. Moi aussi, je connais votre code. Et si j'avais voulu faire comme vous, j'aurais modifié votre site pour diffuser de fausses informations. Mais ce message n'est pas une menace. Bien au contraire. J'aurais souhaité que vous fassiez le premier pas. Vous ne l'avez pas fait. Je vous offre donc une chance de mettre fin à cette rivalité ridicule. Il y a assez de clients dans la région pour que nos deux établissements fonctionnent en bonne entente. J'attends votre réponse. Corinne, tu peux venir deux minutes? Encore un problème? Non, je suis en train de lire mon courrier électronique. Regarde. Monsieur Lemoine, j'ai bien reçu votre message et je vous remercie de me l'avoir envoyé. C'est moi qui aurais dû vous écrire le premier, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je sais que j'ai eu tort de faire croire que vous vouliez retourner à Paris et surtout d'avoir pénétré dans votre site. Je suis prêt à vous rencontrer et à vous présenter toutes mes excuses de vive voix. Signé Patrick Duval. Tu m'avais pas dit que tu l'avais envoyé un message? Mais ce n'est pas moi. Si je l'avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Ce serait Laura et Frédéric que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Tu as peut-être raison. Tiens, tu arrives bien. Lis. Le mieux, c'est que tu vois Duval le jour du mariage de Julien. C'est une belle journée pour faire la paix. Justement, parlons-en du mariage de ton fils. Tu ne m'as toujours pas dit combien vous serez. C'est du côté de la mariée qu'ils ne savent pas. Sinon, je te l'aurais déjà dit. Ne tarde pas trop. Il faut plusieurs jours pour organiser un repas de noces. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si tu as des problèmes, tu pourras toujours te faire donner un coup de main par Patrick Duval. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes spécialités. Bonjour. Nous abordons aujourd'hui un nouveau domaine, le conditionnel passé. Il sert à exprimer un fait qui ne s'est pas produit parce qu'il dépendait d'une condition supposée mais non réalisée. Si je lui avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Bernard n'a pas envoyé de message. Il n'a donc pas pu en parler à Corinne. Maintenant, écoutez Frédéric. Si j'avais su, je ne l'aurais pas donné à mon père, ce code. Le conditionnel passé sert aussi à exprimer des regrets de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait.
J'aurais dû y penser tout seul. Mais il ne l'a pas fait. Le conditionnel passé permet également d'imaginer une hypothèse qu'on rejette aussitôt. Mais pourquoi il aurait fait ça? Enfin, on utilise souvent le conditionnel passé dans les journaux pour donner des nouvelles non confirmées. On aurait baissé le montant des impôts. Oui. Et on aurait augmenté tous les salaires. Ils auraient dû nous l'annoncer plus tôt. Ça nous aurait fait plaisir. Mais pour qui ils vont me prendre, tes parents? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quelle opinion ils vont avoir de moi? Je vais passer pour qui, moi? Justement, parlons-en du mariage. En parlant du mariage, à propos de mariage, puisque tu parles du mariage, ce serait Laura et Frédéric, que ça ne m'étonnerait pas. Ça pourrait bien être Laura et Frédéric. Combien tu paries que c'est Laura et Frédéric? Il y aurait du Laura et Frédéric là-dessous que je n'en serais pas étonnée. On ne peut voir ces toits aux tuiles vernissées multicolores qu'en Bourgogne. C'est, avec le Bordelais, la plus célèbre région vinicole de France. C'est dans ces vignes, couvrant les pentes ensoleillées des collines, que mûrissent les raisins. Ils donneront les crus les plus renommés. La saison des vendanges réunit chaque année, en septembre, des travailleurs saisonniers et des étudiants venus de partout. Les grappes sont détachées une à une avec le plus grand soin. Et si, dans la journée, le travail dans les rangs de vignes est très fatigant, le soir est consacré à la détente et à la fête. C'est le terroir, hein, c'est la magie des différents sols. Vous allez d'un côté de la terre, de l'autre côté d'un mur, et ça donne des goûts différents et c'est la magie de la Bourgogne. Dans ces caves séculaires vieillissent lentement, à température constante, des millions de bouteilles aux étiquettes prestigieuses. Nuit Saint-Georges, Clos Vougeot, Von Romané, Gevrey-Chambertin, Pommard, Alon Corton. Les vignerons vérifient régulièrement la qualité du vin qui s'élabore. Ils font jouer le vin dans leur verre pour en apprécier la couleur de la robe et le bouquet. Ces bouteilles sont la fierté et la richesse de la Bourgogne.